Hey! Salut tout le monde, c'est Bouscalma. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour l'épisode 4. Oh, stylé, mon gars. Pour l'épisode 4 de la campagne de Code 4. Tac. Je sais comment les buts. Vas-y, je te suis, poteau. Ok, donc j'ai pas du tout joué la discrétion. Trop stylé ce que je viens de faire là, mon gars, par contre. Bon, moi la discrétion c'est zéro, j'aurais dû sortir le sniper, je suis trop con. J'ai pensé qu'au dernier moment. Y a vraiment une sale gueule. Ouais, j'ai fait le. Ouais, désolé, sorry, sorry, deux mecs. T'as le train quand même trop rapide, mon gars. C'est grave stylé, hein. Là. Vous avez le guetteur en visée. Il est dans la tour. Joli. Cible en approche par le nord. Éliminez-le sans bruit ou laissez-le passer. À vous de voir. Ennemi à terre. Avec moi. Moi je tue, moi, mon gars. Je suis une machine à tuer, moi. Je laisse pas les des gens vivants. Faut tuer de l'ennemi, mon gars. J'aime bien la musique qui va derrière. Alors non, je n'ai pas entendu. Il y a un char et tout. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je vais voir ce que c'est ça. Je suis juste un mec. Ah non, il y a un char et tout, mon gars. Sa mère la pute, mon gars, ils sont partout. Oh là là, mais what? Mais gros, tu veux faire quoi? Ils sont partout. Il est où mon mate? Mais regardez, il y a un mec à 2 mètres là. Genre, s'il passe à côté de moi, il me voit pas. Ah, mec, j'ai trop peur.
Ouais gros voilà. Hop, au revoir. C'est trop chaud mon gars. Eh c'était ultra chaud. Je sais pas si c'est parce que j'ai bougé un tout petit peu ou si le mec m'a littéralement marché dessus. Attends, je vais. Mon gars, je vais bien me mettre sur le côté mon gars. Comme ça j'ai bien eu le temps de bien me caler sur le côté. Ah, je pense que je suis pas spoté, hein, c'est impossible. Je suis en train de me faire irradier la gueule. Ah bah là du coup je suis spoté je pense. Putain, il y en a un qui arrive sur moi là. Tu sais que c'est que s'il y a un char qui arrive sur moi, c'est pas cool. Ça va être. Putain mon gars. Tellement stylé en vrai cette mission, j'adore. Genre il faut bien éviter et tout. Là, je suis pas du tout. Ça va, je suis pas. Non, je suis pas spotted. Non. À peine. À peine. Non mais gros là je suis mort. De toute façon je pense que c'est fait pour que tu meurs en fait dès que t'es spotted. La guerre ne permet pas de savoir raison. Mais je vais mettre à côté de mon pote je pense. Ou alors il faut vraiment que. Et là c'est trop compliqué mon gars. Je vais mettre à côté de mon pote hein, c'est mort. Je vais mettre sur lui mon gars. Celui-là a l'air d'avancer comme un gros porc. On va le coller mon gars. C'est stylé. Ça me dérange pas de recommencer, c'est grave stylé. Continue d'avancer, ce gros porc. Non, je ne suis pas spotted. Regardez-moi ce fils de pute. Ah putain. Je suis mort. Il y a trop d'ennemis mon gars, c'est abusé. Eh hey, mais c'est trop chaud. Et kiffant. C'est stylé tu sais, tu dois te cacher et tout, mais c'est trop chaud mon gars. Ouais. Attends. C'est irradié ici. Si je me mets dans un petit corner comme ça là devant l'arbre là. Si je me mets juste derrière l'arbre là. Je suis pas spoté d'ici. Là je pense que j'ai trouvé la bonne planque. Ah, je pense que j'ai trouvé la bonne planque. Je pense. Je dis ça, je dis rien. Ah putain, y'a ce fils de pute. Fallait qu'il y ait un connard là. Il y en a deux. Ah, je pense que j'ai trouvé la bonne planque, franchement. Je suis bien là. Oh, y'a un ennemi juste à droite, là, derrière les buissons, qui est un petit peu trop proche de moi. Oh putain de sa mère. Putain. Par contre, y'en a combien? Est-ce que je dois passer, genre. Y'a lui là aussi, là. Je vous jure, je serre les fesses, là. Mais ouais, je trouve ça stylé comme mission. Ah c'est bon, c'était les derniers je pense. Je n'avance pas. Vas-y. Ah, j'ai vu mon... Il y a mon mate là. Ici là. Et là tu tires, tu sais. Tu te barres en courant.
Grave stylé. On va dire que c'est la meilleure mission que j'ai faite, même si c'est rien, je trouve ça stylé de se cacher comme ça. C'est mieux que, tu sais, c'est mieux de la jouer subtile et tout. J'aime bien, j'aime bien les missions d'infiltration. Vas-y ma gueule, j'arrive. Ah, je kifferais trop être un tireur d'élite comme ça, mon gars. Ah, je kifferais grave. Est-ce qu'on... On va essayer. Moi, je veux essayer le beau jeu. Je veux essayer le beau jeu. Il a dit à vous de voir. Donc, ça veut dire que je pense qu'on peut largement passer sans être opéré. Donc, on va essayer de ne pas les tuer. Même si tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait tuer tout le monde. Là, on va essayer de la jouer infiltration. À fond. De toute façon, mon pote se démerde, hein, je pense, très clairement. Est-ce qu'on peut passer ici? Ça m'étonnerait. Ouais. Faut que j'y aille où exactement? Faut que j'y aille là en face. Hein. Mec, mon perso il s'est levé d'un coup, j'ai touché à rien. J'ai batté. J'ai badé, hein. Là, du coup, ils sont zagués, mon gars. Oh, ça passe large. Gars, ils font plus leur taf là. Ils sont en mode. On va y aller en strafe comme ça là sur le teco. En mode crabe. Oui, mon mate, il est là. En... C'est ça qui est bien avec cette campagne, c'est que tu sais, t'es pas obligé de bourriner tout le temps. Même si c'est, on va dire, à 75% du bourrinage. Là, j'aime bien les petites missions comme ça, là. Même beaucoup. Plus, on n'a pas trop besoin de s'occuper de l'autre, là. Du coup, je sais pas où faut aller. Faut aller en face, faut aller là. Là, ça a l'air d'être là-bas. Hein. Ouais, ici c'est bloqué. Point de contrôle atteint. Mais je sais pas où t'es, gros. Eh ouais, mon gars, moi je suis trop puissant pour toi. Il est là. Je l'entends. Oui, mon pote. Il faut aller là-bas. D'accord, ok, fallait aller là-bas. Ok. Ok, c'est bon. On va prendre le snipe. Je pourrais lui coller une tête, gros. Vas-y. On va se mettre tranquillement. J'espère
les entends arriver là. Oh putain, y'a du monde. C'est quoi ce merdier? Oui. Préparez-vous à avancer à mon signal. Restez derrière moi. Ouais. Attendez. Ok. On y va. Il veut y aller en mode balai, couille, mon gars. Oh stylé ça, ça j'aime bien. Et cette mission est grave cool hein. C'est vraiment ma mission préférée là pour l'instant. En mode infiltration et ça. Pourtant je suis pas trop infiltration dans les jeux, mais là ça change. C'est en mode calme, personne nous voit, tu sais. Il est beau ton cul, vraiment, j'aime beaucoup ton boule. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Macmillan. Yeah. Vas-y, je patiente. Faites pas de conneries. J'attends. Tranquille mon gars. Genre il ne voit pas lui. Un sniper, quatrième étage, droit devant. Éliminez-le. Ou il va révéler notre position. Joli. En avant. Ouais, il est dans la tête mon gars. Ah, c'est vraiment chiant les temps enrhumés. Zone dégagée. Putain, on se croira dans métro la slide, tu sais. Un chien. T'es sûr de ça? C'est pas un kleps, c'est un monstre. Gardez vos distances. Inutile d'attirer l'attention sans raison valable. C'est pas un kleps, c'est un monstre. Départ. Ah oui, parce qu'il est en train de bouffer lui-même. Ah, la petite musique, j'aime bien. Route dégagée. On est dans quoi? Dans une école? Parce qu'il y avait une petite cafétéria. Une petite cafétéria. Oh, une petite cafétéria. Mec, putain.
C'est quand même stylé, hein. C'est quand même stylé. Et ouais, hein. Le nucléaire, ça peut faire des ravages. C'est propre, hein, c'est vraiment propre. Dommage que j'ai pas fait la campagne sur PC parce que j'aimerais bien voir l'évolution graphique quand même. Ah, c'est franchement propre. Hein. Voilà l'hôtel. On devrait pouvoir observer l'échange depuis le dernier étage. En avant. Let's go, mon gars. Putain, ma poubelle, elle est remplie de mouchoirs. Oh, Barrett, nice, mon gars! Prenez le Barrett, le vent s'agite. Vous pouvez compenser ou attendre, mais il risque de partir avant que le vent retombe. À vous de voir. Souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Tenez compte des variations du vent et du taux d'humidité sur la trajectoire de la balle. À cette distance, il faut aussi tenir compte de l'effet de Coriolis. Stylé. Mec, c'est un petit peu chaud ce que t'es en train de me demander là. Ok, là il est pas mal à droite. Il faudrait que je tire comme ça. Ah, d'où est-ce qu'il sort? Patience, petit. Attendez d'avoir un bon angle de tir. Ah, ça va être tendu cette mission, mon gars. Je sens que je vais me fail. Tu vois la balle! Tu vois la balle à partout de droite et puis après à faire un virage à 90 degrés, t'as. T'as jamais vu ça de ta vie, tu sais. What? Le mec il va niquer d'un coup, mon gars, non, c'est. Ah non, mais c'était n'importe quoi comment aller. Par contre, j'ai pas trouvé ça du tout réaliste, la trajectoire de la balle. Hein. C'était juste ignoble en fait. Bon, je crois que je vois. Attendez mon signal. Cible repérée. J'ai identifié Imran Zakaev. Lentement. Scrutez ce drapeau. Surveillez tout changement de vitesse ou de direction du vent. Putain. On va essayer de l'avoir dès que le drapeau est droit là. Putain, mais salope! Patience, petit. Attendez d'avoir un bon angle de tir. Par contre, j'ai pas compris parce que le drapeau il était droit, donc ça veut dire que le vent venait genre de notre côté, enfin de nous. Donc la balle ne pouvait partir que droit en fait. J'ai pas compris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Genre si le drapeau il est à droite, faut que je tire plus à gauche parce que forcément le vent souffle de la gauche et donc la balle va progressivement aller vers la droite. Là vu que le drapeau était comme ça là, tout droit, voilà comme ça exact là, bah la balle ne peut aller que tout droit, enfin je sais pas comment dire. Et c'est assez mal foutu hein, très clairement. Oh putain, je l'ai niqué du premier coup. Oh, tiens, l'hélico. Voilà, nickel. On barrette. Bon, la ken du coup, hein, normalement. Oh mon gars. Ah, j'ai des petites grenades aussi. Delta 2-4, ici Alpha 6. On est repéré, je répète, on est repéré. On se dirige vers le point d'extraction 4. Le temps restant 19 minutes, ça me paraît beaucoup quand même. Oh, la petite collette. Ah, mais les gars, votre sup il est mort. Vas-y, faites des gosses, arrêtez tout quoi. Oh putain, excuse-moi gros. Par contre, je vais prendre une arme. Hein. Ça s'en balèque. Hein. Vas-y mon gars, on y va là. Moi je suis chaud là. Ah, y'a un chien sur moi. J'entends un chien. Ouais, je prends cher. Ah mais attends gros, là je prends trop cher. Je suis mort. Envoyer masse grenade à droite à gauche là. Ensuite on va essayer de y aller proprement. Et c'est vrai que je meurs beaucoup hein, vraiment. On va prendre ça hein, on va défourailler mon gars. Ça arrive de derrière ça, ce qui est chiant. Putain, mais derrière ça me pète les couilles, gros. Il y a des chiens partout. Oh là là, putain. C'est ultra tendu. Hein. Ah, génial. J'en ai eu 20. Petite grenade parce que là il y a un peu trop de monde à mon goût. En fait de toute façon j'ai l'impression qu'ils viennent à l'infini hein, très clairement. Donc je pense qu'il faut plus tracer qu'autre chose. Allez moi je vais tracer mon gars, de toute façon c'est par là hein. Vas-y vas-y, mène ton cul, reload tranquille. Putain mais pas de faire foutre. Où c'est par là. On va bien reload toutes les armes. Le sniper, c'est bon. Ouais, ouais, t'inquiète. À 19 minutes, ça va quand même. Hein. Pour faire 500 mètres, ouais, tranquille. Mon gars. Putain, c'est. Ah, il rush. Hein. Oh la grenade, oh la grenade, oh la grenade. Ok, nice. Ah bah oui du coup il y a plus de...
Ouais, je l'ai vu, toi. Allez, mon grand. Et par contre, lui, il garde son snipe coûte que coûte. Hein. Ça derrière. Putain. Cible neutralisée. Maintenant il y a un hélico gros. Hein. Hélicoptère en approche. Tuez cet enfoiré. Bref, feu sur l'hélicoptère. Ensemble, on l'aura. D'accord. Débarque. Enfoiré. Excellent. Oh, what? Trop stylé. Non. Ah oui putain, je crois qu'il avait les jambes découpées mon gars. Hop, let's go mon gars. Voilà, il a TK son propre mate. Dirais-moi, tu sais. Allez, ma gueule. Putain, mec, s'est fait déchiqueter les jambes, mon gars. C'était une violence. Vas-y, Balek, il y a des ennemis là. Il y en avait un autre là-bas. Allez, mon gars. De parler, je comprends que dalle à ce qu'il dit. Je vois, il y a un chemin tout près pour nous, tu sais. Lâche. Putain. D'accord, ok, je vérifie les salles, gros. J'arrive ma gueule, j'arrive. Let's fucking go. Ah, en fait ça fait loin. Je le sens tellement pas. Oh, il y a des chiens.
Ah ouais, c'est bon, on est arrivé. En moins de 13 minutes, hein, très clairement. Ah ouais, d'accord, petite zone de... Ah ouais, là. Genre là, il y a un endroit illuminé. Je le sens pas, hein, très clairement. Une ici. Une là. Une là. Une pourquoi pas ici. Bah, moi je vais me mettre derrière là, tranquillement. Je pense ici c'est pas mal. Après il m'a dit de me coucher. Bonne chance. Ah, en bas à droite, y a l'hélico. En attente pour engagement. Ouvrez le feu. T'es sûr? Il est mort lui. Hey mec, le nombre de balles, s'il te plaît. Hey, ils font les morts, putain, y a les chiens. Ça va être sympa cette mission là. Allez, franchement, l'une des meilleures missions que j'ai faites hein, sur le jeu pour l'instant là. C'est franchement pas mal, hein. J'aime bien mélanger l'action à l'infiltration et puis comme ça à la camp là à la fin là. J'aime bien. Hop. Pour l'instant, mes clés morts ça servent à rien. En tout cas, je suis vraiment désolé si ça vous fait chier que j'arrête pas de renifler toutes les deux secondes, mais bon. Voilà quoi. Moi, ça me fait plus chier que vous, à la limite. Là, ça arrive de la droite là-bas. Là. Ah, d'accord, hélico ennemi maintenant. Je l'ai bien planqué, mon gars. Il est où l'hélico? Il est sérieux, lui, il fait pas son taf. Hein. Hop, comme d'habitude, on va regarder le trophée, en quoi il consiste. Si ça met pas trop de temps. Abattre au moins 3 ennemis en rappel sur une seule corde. Ouais, bah c'était ça. C'était ça, le trophée que je parlais. Mais je croyais que c'était moi qui devais être genre en rappel sur une corde et qui devait tuer des ennemis en même temps, en fait. J'ai plus de balles. Ah, j'ai plus de balles. J'y vais avec la 40. Ah, c'est stylé, mon gars, la petite résistance comme ça là. Franchement, c'est le feu hein, cette campagne, vraiment. Elle est pas mal. Hein, C'est pas la meilleure que j'ai faite. Enfin, après, on n'est pas à la fin, mais bon, voilà. Oh putain, gros, je prends cher. Non. Si branlé là lui aussi là. Là ça s'est bien rapproché là quand même. J'en ai eu un, j'en ai eu 45 gros. On parle pas. Ah la G3.
Vas-y, mec, il veut faire des petites tours de tamponneuse. Il y a même la pédale et tout, tu sais, c'est trop bien fait, mon gars. Hop, quelques petites grenades. Il a 2000. Enfin, il a 2 km l'hélico là. Oh putain, gros. Ça fait loin quand même. Heureusement que notre teammate n'a pas une vie, tu sais, où faut aller le couvrir ou quoi, parce que c'est très chiant. Ça, j'ai horreur des missions comme ça dans les jeux où faut que tu prennes soin de ton. Là, ça va, il sait gérer tout seul et tout, mais j'ai horreur de devoir gérer deux personnages. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Couvrez-nous, je vais chercher l'autre là. Allez, ma gueule! Non, vous pouvez pas faire de tir de suppression, c'est trop compliqué, tu sais. Ah, si, c'est bon, ils sont sortis quand même. Ils sont un peu cons quand même, hein. J'ai jamais vu ça, mon gars. T'as des ennemis à 5 mètres. What the fuck? Histoire de. D'accord, le téléchargement repris. D'accord, je m'auto-flash aussi. Bah oui, forcément, s'il y a GTA qui reprend, il y a Resident Evil aussi. C'était sûr. Encore un trophée. L'hélico dans une demi-heure minimum, capitaine. C'est pas bon ça. On tiendra pas 20 minutes ici. Tous les tarés ultranationalistes à la botte de Zakaev vont se pointer par ici pour récupérer Al-Assad. Où est-ce qu'il reste de lui? Exact. On va placer des charges le long de la ligne Alpha sur la colline sud. Et d'autres sur la ligne Bravo. On va les retenir jusqu'au sommet. Puis on se fixera sur le site d'extraction dans les champs autour de la ferme. Des questions? Ok, c'est parti. Attends. Ah ouais, il est la voix du mec dans Gangster Squad en fait. Pour ceux qui ont vu Gangster Squad, il est la voix de Nicky Cohen. Le mec qui a dit ok, c'est parti là. Bah, ça devait être. Je sais plus comment il s'appelle, Taz ou je sais pas quoi là. Comment il s'appelle, Gaz. Je pense que c'est Gaz que c'est le voilà. Il est la voix de Nicky Cohen dans Gangster Squad, pour ceux qui connaissent. Un film que j'ai bien aimé. Hop. Ce qui est rouge, ça m'intrigue. Du coup, j'ai envie de jouer au multi, mais un truc de porc. Ils auraient pu rajouter genre un petit mode entraînement contre les bots, tu vois. Histoire qu'on patiente un peu. Bon, j'ai une M249. Joli tir, mec. Hop, reload, y'a pas de problème. Tranquillement. Les armes sont bien designées quand même. Je trouve. Hop. Je sais même pas si je suis les gens, enfin si, mais bon. Je vois que dalle. Je tire, c'est tout ce qui compte. Et on a nos balles là. Trop stylé, mon gars. On va dispawn, mais bon. Et sinon, c'est jusqu'à ce que je n'ai plus de munitions ou ça se passe comment? Ah, ça met des fumis ici. Il reste des écrans fumés. Mac, tu vois quelque chose? Assez peu de mouvement sur la route. Ils doivent nous contourner par l'ouest. Ah,
Wow. Allez les potes. Là, ça me rappelle la map d'MW3, tu sais. Alors? J'y étais déjà en fait, hein, je vous attendais vous. Mais bon, il n'y a aucun problème, hein, tu sais. Ouais, bah, je les ai ken. Vas-y mon gars. On va garder ça. Là-bas là. Ah bah ça aussi c'est une map. Normalement. Live. Let's fucking go dude. Hop. Ah bah non, c'est la grange de tout à l'heure où on était. Là où on a tué le type là. C'est les chars. Pff, est-ce que... Non, ouais, c'est vraiment les chars. Hop, tranquille. Lambda mon gars. Y a pas un char ou je sais pas quoi. Ah mais si, y'a un char. Putain mais je suis un autiste. Depuis tout à l'heure j'essayais de faire des trucs mon gars. Y'avait un char en fait. Y'en a d'autres là. Ouais. Ah ouais d'accord, en fait depuis tout à l'heure ça servait à rien ce que je faisais. Très bien. Calme. Ah, je comprenais pas pourquoi je me prenais des deux balles. Ok, ça. Vas-y, mon gars. En fait, j'ai fait tout ça pour rien. Je pense que je cutterai les trucs. Hein. Ah, bah d'accord, faut que je me refasse le trajet à l'envers. Bon, moi j'y vais, je m'occupe pas des potes. Bah, je fais la même technique que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire celle-ci. Fais-moi ton P90, toi. Oh, la grenade, la grenade. Reçu de tête. Rassemblez les unités. Rejoignez la zone d'atterrissage.
Putain, elle bouge pas l'arme, mon gars. Elle bouge pas la P90. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Aïe. Putain, monte. Monte, fils de pute. Hop. Oh là là, comment elle est trop cheatée cette arme, mon gars. Putain, mais il manque tout le temps de carburant aussi, ça va. Hop, on passe par les bâtiments. Oh bah je tue personne là, mon gars. Ouais, on peut passer par là. Non, même pas, en fait c'était un fail. Ah oh, si, ouais. Oh, elle est beaucoup trop cheatée cette arme. Hop, on envoie quelques grenades devant. Hop, on va envoyer quelques frappes de napalm par-ci par-là là. C'est stylé ici, hein. Sans déconner, c'est grave stylé. Hein. Allez, laisse-moi monter, putain. Et voilà mon gars. Allez les gars. Bon et ben voilà. Mission réussie après maintes et maintes Et bah purée les gens. Bon, on l'a eu l'enfant. Pourtant, ce n'est pas le responsable de la mort de vos marines. Désolé. Imran Zakayev, hein? C'est un vrai fantôme. Nos services disent qu'il se cache. Eh bien, j'ai un plan pour le trouver. J'écoute. Le fiston. Le fils de Zakayev, chef des forces ultranationalistes sur le terrain. Les pommes pourries ne tombent jamais loin de l'arbre. Le loyaliste Kamarov sait où se trouve le gamin. Et ce petit con sait où se trouve Zakayev. Les péchés de nos pères. C'est des conneries. C'est le meilleur endroit, le poste de contrôle est juste. Hop, eh bien on va s'arrêter là. On a vu un petit sniper des familles, le R700 les gens. Oh là là. Ok, et eh ben on aura le sniper R700 pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss.